Eh bien bonjour à tous et à tous les amis, c'est Orsier. On se retrouve pour une quatrième vidéo de New Super Mario Bros. 2 sur 2DS, notre petit let's play tranquille de cet été. Alors déjà on s'est laissé là, on va faire la maison hantée. On est déjà au quatrième épisode, donc c'est logiquement, j'avais prévu qu'on en soit là, bah c'est très bien. Ah oui non, cette pièce, cette maison hantée plutôt est très méchante, enfin elle est pas bien quoi. C'est ce que je voulais dire. Elle est très méchante. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi je suis en petit. Alors, les pièces étoiles des maisons hantées, je ne suis même pas sûre qu'on va les faire. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu. Et à laisser un commentaire. On est l'après-midi. C'est galère, quoi. Oh, je saute. C'est pas ce que vous croyez, les gens. Vas-y, avance. Doucement. Non, mais c'était... En fait, il te tue direct. C'est ça que je comprends pas. Il te tue direct. Bon. On a passé une minute 22 pourrie. Bon, ça va. Quand tu recommences le niveau comme ça, ça va. C'est relativement simple. Alors, toi, tu vas pas nous faire chier. Le jeu il lag encore, c'est horrible. Allez, parce que là t'as ça. Toi tu dégages. Mario a peur. C'est une tapette. Il flippe au moindre fantôme. Je dis ça, mais en réalité, vous aussi. Hein. Ouh. Oh la vache. Attends un peu. On a les 3 étoiles. On est bien. Wow. Il me semble qu'il y a une sortie secrète, non? Il me semble qu'il y a une sortie secrète. Mais va savoir où elle se trouve. Ça, c'est une fosse. Qu'on va faire la sortie secrète là. C'est bon. Je vais m'énerver si je fais la sortie secrète là. Ah si, je fais la sortie secrète. Ah non, c'est la sortie normale. Bah, sortie secrète, j'ai totalement oublié où elle se trouve. Ah si, je me souviens où elle est. Bah, la sortie secrète, écoutez les amis, je vais la faire hors vidéo. Et on la fera, je la ferai hors vidéo parce que ça m'énerverait. Je vais m'énerver sinon. Voilà, c'est le niveau du bas. En fait, pour la trouver, il y a une liane là où il y avait le gros bout. Ouais. Ah, ce niveau, je l'adore. On va le prendre parce qu'il y a un truc. Tac, 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 tac. Non. Pourquoi je fais ça? Oh non, il y a un truc, il me semble. Allez. Il me semble qu'il y a un truc avec. Ah
Wow, je dis rien parce que... Waouh, c'était trop bien. Normalement, tu vois, il fallait être... Et toi, il fallait avoir le Tanuki, soit il fallait avoir le... La fleur dorée. Et puisque nous, on avait l'étoile, on a pu passer. Alors attends, essaye de bien recalibrer parce que c'est pas toujours bien des fois. Merde, la dernière piste étoile, je sais où aller. Vous allez dire, mais descends. Ben non. Enfin, Nintendo, ils aiment bien, tu vois, bouger, les jouer des trucs de caméra, là. Waouh. Voilà, ça, j'ai mal au pouce parce que je tourne les vidéos d'avance, parce que, vous savez... Oh non. Des fois, la 2DS, je la vois pas souvent, du coup, quand je peux faire les vidéos. C'est bien parce que les boutons L et R que vous voyez ici, et bah, je les utilise pas pour ce jeu. Ça c'est bien. Donc là nous sommes à 6 minutes de vidéo, c'est nickel. Logiquement on va terminer le monde 2 dans cette vidéo et arriver au monde 3. Waouh, on sera déjà au monde 3, c'est fou. Ah oui, ça c'est le niveau avec les champs. Ouais, ça va être sympathique. Hein. Je déteste les champs. Dans certains jeux ils sont sympas, mais là dans ce jeu c'est une calamité. Oh, je rigole. Ah oui, tu vois, je me suis sacrifié, je me suis suicidé rien que pour avoir une pièce étoile. Alors c'est dommage que vous avez pas la qualité que j'ai n'ai pas de game capture, donc je ne suis pas un professionnel. Et du coup, ah oui. Ah putain! Je suis désolée si je dis gros mots, mais c'est hyper chiant. Voilà. C'est sacrifié, hein, encore une fois. Je suis beaucoup sacrifié hein, dans la vie de Mario. Il s'est beaucoup sacrifié hein, pour la bonne cause. Voilà, t'as vu comment c'est mal fait. Tu vois, regarde. Voilà. Je me suis sacrifié. Enfin non, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. C'est pas pareil. Est-ce qu'il y a un truc là, non? Que bon, je me souviens pas, moi. Ah oui, oh non, cette partie elle est chiante. Oh maudit. Ça, cette pièce, jamais j'ai réussi à la trouver. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est chiant. Mais c'est vraiment bête. Hein. Ça va. Ah non, ça c'est juste un. Oh là, non. Non. Je veux dire, ça va, on est en avance. On est à 8 minutes. Je pense qu'on va peut-être terminer sur ce niveau. Ouais, je pense moi aussi qu'on va terminer sur ce niveau. Ça m'étonnerait qu'on... Je pense qu'il faut revenir avec du matos, quoi. Parce que là... Tu vois, il passe... Oh, oh le skill. Attends, on recule. Oh la vache. Oh la vache. Là, je réussirai à passer. Je pense qu'on va passer là. Non! Non, je voulais passer en dessous de lui, sauf que j'ai sauté trop. Non, non, mais là, je fais n'importe quoi. Je fais vraiment n'importe quoi. Non. Attendez, j'ai une petite idée. Waouh! Oh la vache! La vache! C'est mon téléphone qui a vibré, la vache! Comment il a vibré! Alors, comment est-ce qu'on va prendre? On va prendre.
Il me semble que là, le checkpoint, c'est, je pense qu'il y a encore. Logiquement, il doit y être. La 10 minutes de vidéo, il faut qu'on le termine ce niveau. D'ailleurs, ce niveau est très chiant, donc pas se louper. Puis c'est qu'il y a encore le checkpoint. Oui, il y a encore le checkpoint, donc ça va. Qu'on est bien. Ils sont sympas, Nintendo, ça va. Du matos, donc on va pas en racheter, ça sert absolument à rien. On va se suicider, on va se suicider pour le bien. On va se suicider. Oh la vache, oh la vache, comment on s'est bien suicidé. Technique du joueur pas guéri. Hop, on termine le niveau. Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrive à bien jouer. Ah, qu'est-ce que c'était stressant. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, à mettre un commentaire. Allez, salut.